Alors salut tout le monde, c'est Luffy Kaizokun. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Skylanders Upforce. Donc je joue sur PS3, puisque quand j'ai acheté la PS3, il y avait un pack avec Giants et j'ai bien aimé, du coup j'ai acheté Upforce. Donc pour m'aider à filmer, il y a Monsieur Craft Nico avec moi. Salut tout le monde. Donc là je vais commencer avec Skylanders Upforce Plante. Les Upforce c'est ceux qui sont interchangeables. Donc là, je vais commencer avec Grilladrien type plante. Et creuse aussi. Non, par contre, j'ai déjà fini le jeu. Mais vu qu'on peut le refaire, je vais vous le refaire pour faire un petit let's play. Après aussi, j'en mettrai d'autres dans Skylander, mais bon, voilà. Ah, mais ça, on s'en fout en fait. Bon, par contre, quand vous n'avez pas fini le jeu, quand c'est pendant l'aventure, écoutez bien ce qu'ils disent. Parce que si vous les écoutez pas, après ça va être hyper chiant. Vous savez pas ce qu'il faut faire. Donc, je crois que c'est là-dedans pour faire. Ah oui, sélection du niveau. Voilà les niveaux du mode histoire. Ouais, ça doit être celui-là. Donc, oui. J'espère que c'est celui-là. Ouais, ça, on s'en fout. Salutations, maître du portail. Non, je suis Éon et je suis venu te guider dans un formidable. Bon, donc oui, ça c'est bien le premier niveau. Bienvenue dans les Skylands. Bon, on peut pas passer, ça c'est chiant. Dans Giant, on peut passer avec triangle, mais là. Oh, ça y est, je peux passer. Ah oui, je me souviens, le premier niveau c'est avec le bateau. Donc les attaques, pour ceux, si vous connaissez pas les touches, carré c'est pour faire l'attaque principale, rond c'est pour une autre attaque où il peut creuser, enfin lui il peut creuser, et après il y a triangle mais il faut apprendre après avec des sous, et croix c'est pour sauter. Que voulais-tu dire d'ailleurs, Ben rond c'est l'attaque spéciale, enfin c'est l'attaque du pouvoir en gros, c'est ça. Non, c'est... c'est triangle, c'est dans Giant tout c'est rond. Ils ont changé toutes les commandes. Ah, bon. Bon, c'est pas grave, je vais la laisser. Fais partir ces champis de mon vaisseau. Trop près, trop près. Bon, je vais changer de Skylander, je vais vous montrer un nouveau que j'ai eu aussi. Legendary Free Ranger. Donc vous voyez qu'il y avait plus spécial parce que c'est les légendaires. Les légendaires ils sont plus forts. Oh, pas mal, il attaque le sable. Et son attaque rond, c'est quoi? Oh, cool. Continue, il y a un autre moyen de sortir en passant par le cœur du volcan. C'est bien. Félicitations, congratulations. Bon, par contre, le seul défaut, c'est qu'il parle vraiment beaucoup. Mais après, sinon, le jeu, il est marrant, il est bien. On dirait je vois que ça te fait rire. On dirait Valentin. Hein non, ils sont beaux. Non, je déconne. T'es méchant, quand même. Vrai ou pas vrai? Non, pas vrai. C'est pas un rongeur, quand même. Et donc celui dont on est en train de parler, le nom de sa chaîne c'est Ripper Luffy. Donc si vous voulez aller le voir, il a fait pour l'instant des vidéos sur Ghost, Call of Duty Ghost. Il y aura le lien dans la description. Hmm, il y aura le lien dans la description. Peut-être. Bon, maintenant je vais en mettre un autre. Je vais mettre un autre que j'ai acheté aussi dans un pack. Rubble Shake, si je me souviens bien. Rubble Shake, voilà. Rattle Shake. D'accord, super, le but. Non, mais voici son pouvoir. Bon, le volcan est en train d'éruption alors qu'on est dedans. Son vaisseau, il est niqué. Par contre, le premier niveau, c'est celui qui dure le plus longtemps, je crois. Plume de dragon, ça va? J'ai jamais vu un crash pareil. Bon, on pourra passer peut-être plus tard, j'espère. C'est bon? Non. Non, mais je sais, pour passer, il faut appuyer sur triangle.
quand il peut marquer chargement. Bon, alors, par contre, lui, il arrête pas de se la péter. Et je peux pas passer. On s'en fout. On l'a déjà vu. Bon, comme je vous l'avais dit, ah, ça y est, ils arrêtent pas de parler. Donc après aussi, il y a des amis. Ah non, en fait, carré c'est pour l'attaque, mais avec la partie du haut. Et rond, c'est une attaque, mais avec la partie du bas. Et triangle, je ne sais plus. Ah voilà. Bon, je n'écoute pas ce qu'ils disent, puisque j'ai déjà fait, mais bon. Je fais que ça, moi, si jamais il y a un ennemi. Prenez les joyaux et compagnie, ça vous aidera plus tard pour pouvoir les lui au feu. Donc je mets un sur force feu qu'on a dès le départ en achetant le jeu là dans le pack. Blast zone. Donc lui je vais regarder son attaque avec triangle parce que lui je l'ai amélioré. Ah bah lui c'est un rond avec triangle. Ça fait un rond de feu. Tu peux parler hein, si tu veux aussi. J'ai la flemme. Ça m'aurait étonné. Tu me connais bien. Ouais. Enfin moi je connais pas Skylander alors. Ouais. Je t'écoute enfin, parler. Il avait joué qu'une fois, mais bon c'était à Giant et un combat d'arène. Ah bon. Bon là j'ai un appel mais bon je vais pas répondre parce que je peux pas. Bon ça c'est pas grave. Genre. Merci de m'avoir sorti de la Skylander. Je suis un peu claustrophobe. Oh non, c'est une porte de combat. Ah oui, quand il y a ça, faut affronter les. Tu n'auras pas battu tous les ennemis. Voilà, il vient de dire. Bon, ça ressonne. Bon, je vais pas attendre à y répondre. Ça prendra plus tard. Bon c'est bon j'ai battu tout le monde. Donc oh là il y a un joyau. Je vais voir si ça rapporte. Ouais ça rapporte du coup. Donc aussi je vous conseille de suivre les dans un ennemi par exemple là les feux ils sont plus puissants, faut les prendre. Bon voilà. Attends. Attendez, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Bon c'est bon je suis de retour, c'était mes parents qui avaient appelé. Et moi je reste là comme un con à fumer. Bah bon, en fait donc prenez le fric parce que pour les améliorations c'est toujours utile. Tout à l'heure je finis ma phrase. Donc par contre j'ai presque tous les types de Skylander à part les Skylander sont force de la magie et de la terre. Enfin j'ai tous les types mais pour les sont force il manque la magie et la terre. Oh joyau. Ça rapporte du feu. Tu l'as déjà dit. Eh ben je l'aurais dit quand même. Mais mieux vaut trop que passer. Donc ça c'est un petit moyen d'accélération. Ce qui est bien c'est qu'après il y a une boule de feu qui l'entoure, donc si vous percutez les ennemis. N'oublie pas, maître du portail. Changer de Skylander à tout moment. Je sens que par exemple, il n'y a pas de truc genre. Tu sais que ça change quand tu quand t'as déjà fait une partie, au moins c'est, tu sais tout. C'est à chaque fois, ils te disent toujours la même chose, mais bon. C'est comme si dans Giant, on peut passer. Ouais, mais je veux dire. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, pas trop en fait. Bon, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on puisse passer tout le dialogue, non? Voilà, et puis toutes les astuces aussi qui sont. Oui, dans Giant, on peut. Enfin, les astuces, ça c'est pas grave, ça te rend un petit peu, mais les dialogues et les cinématiques dans Giant, on peut. Donc, regardez là par exemple, il y a des champis, vu que je suis en aura de feu, ils crèvent.
Ça, c'est une amélioration que j'ai pris. Voilà. Donc, ah ben, une clé, faut que j'aille la prendre. Giant, il est pas mal aussi comme jeu. Ah. Donc ça, je vais y aller pour vous montrer comment on fait. Donc. Voilà un exemple. Donc faut prendre, peu importe la partie, il faut qu'il y ait une partie d'un Skylander Soft Force haut et la partie d'un Skylander Soft Force bleu. Un haut, un bleu. Donc voilà, là, vu que j'ai mis le bas de Blast Zone et le haut de White Buckler. Voilà. Bah, par contre, ah ben, bah, maintenant je vais virer le dessous en dessous de feu et mettre le vrai. Donc à lui, j'ai fait des améliorations pour la partie du haut. J'ai amélioré le sabre plutôt que le flingue, puisque s'il pousse le sabre. Donc, maintenant, cette zone, elle peut rapporter des trésors ou des chapeaux, je sais plus exactement. Les trésors, ça rapporte plein de fric, et les chapeaux, c'est juste pour mettre un nouveau look au Skylander. Bien que la plupart soient trop moches. Donc aussi bien sûr comme Monsieur Craft Nico est là, je pense qu'on va en profiter pour faire un let's play, non? Enfin un let's play sur One Piece. Est-ce que tu voulais essayer? Ouais, pourquoi pas. Oh, un joyau. Il voulait essayer et vu que j'ai le jeu, vu que moi je suis un grand fan de One Piece et que Monsieur Craft Nico adore, il est fan de Gatling. Et Shoving Haddock. Comme vous. Bon, là je vais pas mettre parce que ici il faut un petit plan. Moi je vais remettre Griadria. Bon, juste pour t'informer, on est à 12, presque 13 minutes de vidéo déjà. Oui, mais celui-là, quand je l'avais fait, bon, je savais pas tout ce qu'il fallait faire. T'es sûr de vouloir savoir combien? 30 minutes. 40. On va le faire en deux parties. Ouais, c'est une sage décision. Parce que sinon ça va prendre 3 ans à exploder. Mais en fait, je suis sûr qu'il serait... Il y aurait 10 minutes en moins s'il n'y avait pas tous les dialogues. Ouais. Oh non, un Skylander. On s'en fout. Crip. On aurait dit un allemand. Crip. Non mais c'est parce que j'ai stoppé. Non. Mais si tu veux voir un allemand, je te montrerai un plus tard. Il y en a un qui parle vraiment mais bien allemand dans ce jeu. Ouais. Oui. Oh shit. Mais... Ouais, j'ai voulu essayer de le lober. Ce qui était une grave erreur. Bien essayé. Pas mal. Donc voilà, j'ai sauvé tous les moutons. Donc ça c'est je crois un chapeau normalement, mais bon moi je vais avoir encore un joyau pour du fric parce que j'ai déjà pris du chapeau. Bon par contre je sais pas si je vais montrer tous les autres trucs à faire comme ça. Maintenant je mets un petit feu puisqu'ils sont plus puissants. Parce qu'après il y a d'autres zones comme ça mais avec d'autres types où les swap force ils ont des symboles spéciaux, on va dire. Ah bon, maintenant c'est la Terre. Bon, j'ai pas de swap force de la Terre parce qu'ils sont pas encore sortis. Enfin, en France, ils sont pas encore sortis. Donc du coup, je mets Crusher Granit. Qui est type Terre et Giant. Il est niveau 12. Il améliore au max. Plutôt
En fait, il est seul en gros pour servir d'esclave. C'est ça. Je le savais. Oui. Tout le monde le sait. De toute façon, on sait tout. Donc. Bah oui. Ça, j'aime bien. Ça prolonge le coup. Je vais voir s'il n'y a pas un truc là-bas. Mais les Giants, par contre, ils sont plus gros. Ils sont lents. Oui, bah oui. Mais ils sont. Ils sont mous. Enfin, ils sont plus gros que les autres. Mais moins puissant que les Swap Force. D'accord. Par exemple, celui-là, Crusher, il a 140 d'attaque et de défense. Alors que Griadria, que je vous ai montré, il a 130 de défense et 200 d'attaque. Mais bon, après, les Giants, par contre, pour les Chompis, les petites bêtes que je vous ai montré, pour les battre, eux, ils ont juste à les percuter, puis c'est bon. Oh, une zone Swap Force. C'est bien, on s'en fout. Donc, ça c'est une zone, mais il en faut un spécial comme lui. Les symboles, vous pouvez voir sur en fonction du type, par exemple, lui, les feux, son socle c'est en feu. Vous pouvez voir le petit symbole. Ouais, ça merci, j'ai déjà fait. Donc, si vous appuyez sur rond, ça vous fait accélérer. Mais c'est beaucoup moins maniable. Alors c'est pour ça que parfois il faut arrêter de booster. Ensuite, et surtout que lui, le problème, c'est qu'il n'a pas du tout de défense. Ah non, ça il est faux, ça fait gagner du fric après. Il y en a 3 dans chaque niveau, ça faut les prendre. Voilà, je peux me sprinter. Bah si tu pilotes un Skylander comme ça, comme tu pilotes une voiture, t'es pas prêt d'avoir ton permis. Oui, je suis. Oui, mais là, regarde, en même temps, t'as vu le sprint que je pique. Ah non! Vite, bouge! Merde, je vais baisser les caméras. Ouais, c'est pas grave. Bon, là, j'y vais en sprint, puisque j'ai plus beaucoup de temps. Oh, les escrocs. Donc je suis bientôt à la ligne d'arrivée, vous pouvez voir le cercle bleu. Oh, moi ça va, il y a plus de défense que quand je le disais avant. Donc voilà, j'ai fini. Moi, j'ai de la chance. Il me restait que 3. Merde, mais mon dos. Bon, on prend la deuxième partie après. On fait une petite pause ici. Ça va. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à plus.